Bonjour, merci Isabelle pour ce mot d'accueil. Alors évidemment, je suis très, très, très heureux que Dauphine soit désormais partenaire du Printemps de l'économie. Et je vais être très bref parce que bon, je pense que vous êtes toutes et tous impatients d'écouter Laurent Berger, d'écouter Patrick Artus, Mathilde, Philippe qui va arriver, Philippe Aguillon. Je voudrais simplement remonter quelques instants aux sources et dire qu'à l'origine du Printemps de l'économie, il y avait un cycle de conférences qui était réservé aux lycéens et aux étudiants, que la mairie de Paris m'a demandé ensuite d'ouvrir aux citoyens. Patrick, tu y es intervenu, Philippe Aguillon y a fait aussi un masterclass en 2013. Et quand on a fêté les 30 ans de la disparition de Mendès, on a invité Rocard et on a eu une discussion incroyable avec Rocard. Et c'est autour de cette conviction commune, la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie, que Rocard m'a dit, il faut faire un truc à Paris, là, vraiment pour le grand public. C'est comme ça qu'est né le Printemps de l'économie. Donc forcément, Michel Rocard y est pour quelque chose. Et cette opération qui a démarré petitement est devenue une grosse opération. Et ça, je le dois également à de fidèles soutiens. Patrick Artus, toujours là. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton investissement. Agnès Bénassy-Quéret, Philippe Aguillon, Jean Pisani-Ferry, qui, dès le début, ont soutenu ce projet autour de partenaires. Ce qui fait que dans un deuxième temps, sans discussion, en quelques minutes, l'École d'économie de Paris, le CEPI, le Conseil d'analyse économique, les centres de recherche en économie, les labos ont suivi. Et c'est devenu ainsi une belle aventure. Notre slogan, emparez-vous de l'économie. Alors avec nous, emparez-vous de l'économie. Et bonne journée aujourd'hui. Et on se reverra, je pense. Hein, lors de nos 4 jours axés sur la thématique du travail, avec 4 journées, une quarantaine de sessions au ministère de l'Économie, au Conservatoire national des arts et métiers, à la mairie de Paris, à Sciences Po. J'espère que je n'oublie personne et j'espère qu'on se retrouvera. Emparez-vous de l'économie. Bonne journée.